Vous regardez M6 Info. Aux États-Unis, Donald Trump avait promis une annonce majeure pour mettre fin au shutdown qui dure depuis 30 jours maintenant. Mais son offre a fait pchit. Il proposait d'accorder un permis de séjour temporaire allongé à 3 ans à 1 million de clandestins en échange du financement de son mur séparant les États-Unis et le Mexique. Écoutez-le. C'est un compromis guidé par le bon sens que les deux camps devraient soutenir. La gauche radicale ne contrôlera jamais notre frontière. Je ne laisserai jamais faire ça. Un mur n'est pas immoral. En fait, c'est même le contraire, car il permettra de sauver de nombreuses vies et empêchera la drogue de se répandre dans notre pays. Mais les démocrates ont refusé l'offre. Ils ne veulent toujours pas accorder à Trump les 5 milliards de dollars nécessaires à la construction de ce mur.